vous asseoir. Nous allons maintenant suivre les mots d'appel séradis par le président de l'association des familles du Mont Bichassa. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette église de Villers-Fermoire pour la célébration de la fête de fin de fête. En tant que co-président de l'association de famille, donc avec Cédric qui est retenu par d'autres activités ce jour, je suis heureux de vous accueillir pour l'occasion. Cette tradition, maintenue à travers et transmise à travers les siècles, donc il faut savoir que l'équipage a été créé en 1811, nous permet de rassembler tous les membres de la famille, toutes les générations confondues. Cette tradition bien ancrée et cet esprit de famille proviennent de nos ancêtres et peuvent être une ligne de conduite dans un monde actuel où tout évolue tellement vite. Ce jour de retrouvailles familiales est aussi l'occasion de penser aux membres de notre famille qui nous ont quittés. Ayons aussi une pensée pour ceux qui éprouvent des difficultés, que ce soit d'ordre professionnel, familial ou de santé. Je remercie toutes les personnes qui nous permettent de nous réunir aujourd'hui, et tout particulièrement Hubert et Monique, de leur charmant accueil dans le parc du château, à l'occasion de la bénédiction des animaux, les sonneurs des Échos de la Plaine, la chorale de Villers-Fermoin et le prêtre Émeric Hendac pour la célébration de l'Eucharistie. Je lui laisse la parole et je vous souhaite une très belle fête de Saint-Hubert. Et maintenant, veuillez vous lever. Sœurs et frères, heureux de nous rassembler en ce 32e dimanche de l'année pour célébrer en l'honneur de Saint-Hubert l'Eucharistie, sacrement source et sommet de la vie chrétienne. Disposons nos cœurs et nos esprits à accueillir la miséricorde du Seigneur en reconnaissant nos fragilités, nos petitesses et renouvelant notre confiance en ce Dieu qui nous aime. Seigneur Jésus, tu as vécu humblement parmi les hommes. Prends-tu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde
dans sa tendresse et dans sa bonté infinie, qui nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Chantons la louange et la gloire du Seigneur. Je le jure, par la vie du Seigneur ton Dieu, je n'ai pas de pain. J'ai seulement dans une jarre une poignée de farine et un peu d'huile dans un verre. Je ramasse deux morceaux de bois. Je rentre préparer pour moi et pour mon fils ce qui nous reste. Nous le mangerons et puis nous mourrons. Élie lui dit alors, n'aie pas peur, va et fais ce que tu as dit. Mais d'abord, couis-moi une petite galette et apporte-la-moi. Ensuite, tu en feras une pour toi et ton fils. Car ainsi parle le Seigneur, Dieu d'Israël. Jarre de farine, point ne s'épuisera. Vase d'huile, point ne se videra. Jusqu'au jour où le Seigneur donnera la pluie pour arroser la terre. La femme alla faire ce qu'Élie lui avait demandé. Et pendant longtemps, le prophète elle-même et son fils eurent à manger. Et la jarre de farine ne s'épuisa pas, et le vase d'huile ne se vida pas, ainsi que le Seigneur l'avait annoncé par l'intermédiaire d'Élie. Parole du Seigneur. Alléluia, alléluia.
Heureux les pauvres de cœur, car le royaume des cieux est à eux. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, dans son enseignement, Jésus disait aux Juifs, aux fous, méfiez-vous des scribes qui tiennent à se promener en vêtements d'apparat et qui aiment les salutations sur les places publiques, les sièges d'honneur dans les synagogues et les places d'honneur dans les dîners. Ils dévorent les biens des veuves et pour l'apparence, ils font des longues prières et seront d'autant plus sévèrement jugés. Jésus s'était assis dans les temples, en face de la salle du trésor, et regardait comment la foule y mettait de l'argent. Beaucoup de riches y mettaient de grosses sommes. Une pauvre veuve s'avança et mit de petites pièces de monnaie. Jésus appela ses disciples et leur déclara. Amen, je vous le dis. Cette pauvre veuve a mis dans le trésor plus que tous les autres, car tous, ils ont pris sur leur superflu, mais elle a pris sur son indigence, elle a mis tout ce qu'elle possédait, tout ce qu'elle avait pour vivre. Acclamons la parole de Dieu. Sœurs et frères, le froid commence à mordre la terre et le jour se fond de plus en plus. L'hiver frappe à nos portes. La nature impose son cycle fait d'alternance de saisons. Les arbres perdent leur feuillage jaunissant. D'un côté, on apprend la tenue à Glasgow, de la COP26, se concert des nations sur les thèmes préoccupants du climat. Et l'autre, on entend la plaidoirie des marcheurs invitant les décideurs politiques à des actions concrètes et efficaces plutôt que de belles résolutions trop théoriques et sans grand impact sur la sauvegarde de notre maison commune, comme l'aurait dit le pape François. Saint Bernard écrivait au XIe siècle à ses novices : sachez que j'ai tout appris des arbres. Nous avons beaucoup perdu de cette sagesse des arbres, du mouvement du cosmos, de l'ordre du monde, de la nature à habiter, à gouverner et à respecter selon son ordre propre. C'est dans ce contexte spécifique que nous sommes réunis en cette église Saint-Martin de Villers-Ferrois en ce dimanche pour célébrer la Sainte Hubert et fêtons le saint patron des chasseurs. Cet ancien passionné de la chasse et celle qui est devenu les chasseurs des âmes pour les aider à retrouver leur pureté et leur destinée première et à retourner à Dieu. La Sainte Hubert nous convie à une gestion responsable et constructive de la création et à coopérer de façon respectueuse avec notre frère Soleil, notre sœur la Lune, et notre mère la terre, qui nous héberge et produit de quoi nourrir
et nourrir nos animaux de compagnie qui nous procurent plaisir et joie et contribuent à notre épanouissement. Nos petits loups attendent de nous protection, affection partagée et confiance qui rassure et crédibilise à la manière de la veuve de Sarepta qui ouvre la porte de sa maison pour accueillir un inconnu et partager avec lui le peu qui lui restait pour vivre. C'est comme il en est de la terre qui, malgré l'exploitation sarcopique qu'on en fait, elle continue de contribuer à la vie des êtres vivants, même de ceux qui en abusent de sa grande générosité. Par ailleurs, l'homme lui-même que nous sommes est aussi de nature à respecter. Et il a sa place dans le grand cycle du monde, toute sa place, rien que sa place, mais une place royale. Le psaume de la création chante que l'homme a été créé aussi moindre qu'un Dieu. C'est bien cela, sa place royale, qui lui donne l'autorité de remplir la terre et de la soumettre selon l'esprit du Créateur. C'est libre qu'à l'écologie dite scientifique, qui étudie les rapports entre les êtres vivants et leur milieu de vie, se joint l'écologie humaine. L'hospitalité que la veuve de Sarepta offre aux visiteurs non identifiés dit bien ce que l'écologie humaine. Plutôt que la jarre de farine de ses coulisses, elle est devenue curieusement une source intarissable de farine, une bénédiction qui leur a fait passer, elle et son fils, son enfant, de la mort imminente à la vie prolongée. Car tout de soi sur la terre, si on en fait un absolu, tout réjouit sur la terre si on le fait monter en un hommage jusqu'à son Dieu. Saint Hubert, le patron des chasseurs et notre patron, l'a si bien compris. Disons-le, au-delà, l'au-delà ne nous interdit pas de goûter les bons vins d'ici-bas. Mais les vins d'ici-bas ne peut pas combler les cœurs de l'homme qui est fait pour toujours plus grand. C'est bien ce que la veuve de l'Évangile a compris. Ainsi s'engage-t-elle à puiser dans toute son indigence ce qui lui restait pour vivre, afin de le donner à nos membres, puisque plutôt que de prendre sur son superflu, avec son offrande, c'est elle-même qui s'offre entièrement au Seigneur, de qui elle tient son existence. Ce que nous vivons aujourd'hui, dans cette église, maintenant, est aussi un acte de tradition. La tradition n'est pas une sclérose du temps dans le couloir du passé. La tradition, c'est la condition de possibilité d'une espérance par l'homme. La beauté des trompes remonte du temps des siècles et rend hommage au Christ et à Saint Hubert qui vit la croix dans le bois des cèdres, du cèdre qu'il chasse. Louez le Seigneur en sonnant du corps, dit le roi David. Dans le psaume, la trompe des chasses éclate en cri de louange, mais il est aussi capable de murmurer, d'implorer.
Elle exprime le mystère de la vie des hommes, où les larmes tour à tour sont de peine ou sont de joie. Donc nous sommes des ambassadeurs et ambassadrices auprès des différents êtres humains, animaux et végétaux, avec lesquels nous partageons un espace commun rythmé par l'alternance des temps. Dans sa cinquième homélie sur l'Évangile, saint Grégoire le Grand disait « C'est le cœur que le Seigneur regarde. Il ne pèse pas la valeur marchande du sacrifice, mais l'intention de celui qui offre. » La sécheresse qui a sévi au temps du prophète Élie a mis à nu le cœur généreux de la veuve de Sarepta. Quand la forêt est nue, quand elle a perdu ses feuilles, à la fin de l'automne, l'on voit mieux les animaux dans les selles de Saint-Hubert. Quand la vie arrache nos feuilles, que reste-t-il? Le Seigneur se tient pour nous devant la face de son Père. Avec foi, confions-lui nos prières. Luc, Alexandre, le foi, vont jouer là-dedans. Pour lire les intentions. Désolé.
Seigneur, nous te prions pour tous ceux de nos familles et amis qui nous ont quittés. Prions pour ceux que la vie a durement éprouvés dans leur cœur et dans leur corps. Prions pour l'âme de tous ces êtres décédés du Covid. Prions le Seigneur.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Regarde nos offrandes, Seigneur, un peu de vin, un peu de pain, signe de notre vie. Accueille-les et reçois-nous en ton amour. Par Jésus ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. De te rendre gloire, de t'offrir notre action des grâces toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Grand prêtre véritable, il s'est offert lui-même en sacrifice. Il est entré dans le ciel afin de s'établir pour nous devant toi. C'est pourquoi, avec les anges et la création tout entière, nous chantons. Proclame. Demain, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant : prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de vous. Le mystère de l'enfant.
mon Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque lui, l'ensemble des évêques. Le peuple de Dieu s'est rassemblé, les membres de notre assemblée et tous ceux qui ont la charge de ton pape. Souviens-toi, Seigneur, des défunts et la famille du monde des chasseurs que tu as appelé auprès de toi. Souviens-toi aussi de tous ceux et de toutes celles qui étaient attachés à la Sainte-Hubert en lien avec cette famille et qui sont de l'autre côté du chemin de la vie. Souviens-toi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de toutes les personnes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nos tous enfants, sur ceux et celles qui comptent sur nos prières, sur ceux et celles qui s'évertue à garder cette tradition de la Sainte-Hubert, et spécialement la famille du monde des chasseurs. Sur tous et toutes, Seigneur, nous implorons ta tendresse et ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la Bienheureuse Mère des Dieux, avec Saint Joseph son époux, avec les apôtres, nos saints patrons, Lucien Marie, Martin, et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves de la vie. En ce moment, nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est la loi. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, tu les redis à nous. Nous sommes rassemblés ici à maintenant en ton nom. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Nous avons besoin, chacun et chacune, de cette véritable paix que toi seul s'est donnée, que toi seul s'est mettre dans nos cœurs. Nous avons besoin de cette paix pour que nous aussi puissions participer à la protection de la nature,
que nous puissions nous aussi donner cette véritable paix à tous les êtres vivants qui nous côtoient. Seigneur, ne regarde pas nos fragilités, ne regarde pas nos petitesses, mais la foi et l'espérance de ton Église. Et pour que ta seule volonté s'accomplisse, donne-nous cette vraie paix et conduis-nous vers l'unité parfaite. Toi qui règnes pour le siècle des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous.
Seigneur notre Dieu, fortifié par la communion au pain et à la coupe du salut, nous te rendons grâce. Transforme nos cœurs, augmente en nous la foi que nous vivions toujours des tours. Par Jésus le Christ notre Seigneur, qui vient régner avec toi pour le siècle des siècles. Amen. Nous allons maintenant bénir le pain en l'honneur de Saint-Hubert. Prions. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes et des femmes aussi. Tu es béni, Dieu notre Père, pour Jésus ton Fils, lui qui a béni le pain et l'a multiplié pour nourrir la foule au désert. Bénis ce pain. Que nous te présentons en l'honneur de Saint-Hubert, et dans ta bonté, accorde à tous les hommes et femmes de trouver chaque jour ce qu'il leur faut pour vivre. Par Jésus le Christ notre Seigneur, qui vient régner avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour le siècle des siècles. Amen. Je laisse la parole à la présidente du Chassard Courant, Assad. Il y a un mot pour tout. Il y a un mot pour tout. Le temps. Organiser la fête de Saint-Hubert avec les règles sanitaires du moment. Le temps pour préparer la célébration de Saint-Hubert pour la première fois avec vous, Monsieur Bourget, à tout grand merci. Le temps d'écouter l'appel de la trompe qui semble venir du fond des temps, de la profondeur des siècles. Il y a dans le son des trompes quelque chose de la voix des hommes où chacun se retrouve. Elle éclate en joie de vivre, mais elle implore aussi. Quand vient la mort. Le temps de recueillir une mémoire, entrer dans une tradition, creuser nos racines pour y trouver une source vive. Le temps pour remercier tous ceux qui ont œuvré pour que la fête soit, avec votre présence, une pleine réussite, un bon moment de communion et de partage. Le temps aussi pour vous dire des petites choses que vous aimez bien. Nous invitons à la bénédiction des animaux et à la distribution du pain béni dans le parc du château vers midi, tout de suite après la bénédiction des pains, afin de vous laisser le temps de sortir votre portefeuille pour la collecte qui aura lieu en sortant des églises. Les soldats vont s'éclater et vous décoiffer en sonnant la chassard, suivi du chant final. Vive Saint-Hubert! Prochaine célébration en cette paroisse, samedi prochain, 18h. Et nous aurons l'occasion, lors de cette célébration, de rendre un vibrant hommage à notre organiste décédé au mois de novembre de l'année dernière, Roland Huitten. Un vibrant hommage, un vibrant remerciement pour tout le temps passé au service de notre paroisse.
Et enfin, en mon nom, personne relais de cette paroisse, nous vous souhaitons une joyeuse, heureuse fête de Saint-Hubert. Merci à vous toutes et à vous tous pour cette magnifique célébration. C'est Dieu lui-même qui est la gloire des saints, leur gloire et leur bonheur, et c'est lui qui vous donne part à leur fête, qu'il vous bénisse encore et toujours. Amen. Qu'il vous bénisse en vous offrant leur aide, l'aide de Saint-Hubert, afin que vous puissiez vous donner davantage à son service et à celui de vos frères et sœurs. Amen. L'Église est heureuse de savoir beaucoup de ses enfants dans la paix du Christ. C'est là que Dieu vous entend. Amen. Ah.
et que Dieu Tout-Puissant vous garde et vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du et déposer votre obole. Et merci encore à vous toutes, vous tous, pour cette magnifique célébration. Merci spécialement aux sonneurs. J'aurais voulu qu'ils viennent tous les dimanches, tous les samedis, pour jouer ici.